Good morning, allez, Iden, les tuches aujourd'hui, les lunishmat Amram, Yona ben Chana, Peggy bat Esther, Nissim ben Aouda, Michael Novikov, aussi de Fouat, Ruth bat Claudine Draina, et Simcha bat Masoudi, Betoch, Shar, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Demichel, pour que 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet, Edouyot, Perek bet Mishnah, Hey, Shlosha Dvarim, Amrou, Lifne, Rabbi Ishmael, Velo Amar, Bem, Lo Isur, Velo Heter, Oferechan, Rabbi Yoshua ben Matia, Hamefis, Moursa Beshabbat. Im la sot la pe chayav. Vim lo simimena lecha patur. Da la tzad nachash Beshabbat. Im mit asek shelo ishechenu patur. Vim lirfua chayav. Vel lefasin ironiot. Shehem tehorot beoel amet. Utmeot bemasa azav. Rabbi Elazar ben Tzadok omer. On continue avec des Mishnayot, on va voir trois choses en rapport avec Rabbi Ishmael. Le Mishnah précédent, c'était trois choses que Rabbi Ishmael a rapportées. Cette fois-ci, c'est trois questions qui ont été posées devant Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael n'a pas voulu lui-même répondre, parce que ça présentait des complexités, et il a tiré la tête un petit peu comme ça. Et finalement, Rabbi Yehoshua ben Matia a plus défini pourquoi Rabbi Ishmael en fait avait des doutes, et donc il a établi la halakhot selon ce qui est permis, selon ce qui est interdit. Bon, on traduit tout de suite l'introduction. D'abord, Shlosha Dvarim Amrou Lifne Rabbi Ishmael. Trois choses ont été dites devant Rabbi Ishmael. Velo Amar Bahem, lo Isur, velo Eter. Il n'a pas prononcé ni d'interdit, ni de permission, ou de pureté à impureté, comme on verra dans le troisième verset de Mishnah. Operchan Rabbi Yoshua ben Matia. Et Rabbi Yoshua ben Matia est venu et a expliqué concrètement que ça se séparait selon le cas, plus précisément. Premier cas de figure, on va avoir deux halakhot en rapport avec la loi de Shabbat, et accrochez-vous, la troisième halakha, ilchot de Touma et de Tahara. Mais d'un autre côté, c'est très bien, ça nous permet d'introduire un petit peu des notions de Touma et Tahara, comme ça, quand on arrivera, Be'ezrat Hashem, au Seder Taharot, on sera plus tellement étranger au sujet. En tout cas, premièrement, on commence avec Shabbat. Hamefis Moursa Be'Shabbat. Celui qui crève un abcès pendant Shabbat. Soit, et là, une poche de pu sous la peau, et il va appuyer dessus pour faire sortir le pu qu'il y a dedans, ou autre chose, comme ce qu'on va voir justement. Alors la Mishnah nous enseigne, Im la sot la pe chayav. Si c'est pour faire une ouverture, c'est assour, c'est chayav, il est chayav mita, il transgresse un interdit Shabbat ou les chayav un krius qu'il a. Pourquoi? On va voir. Veim lotzi mimena lecha patur. Par contre, si ce n'est que pour faire sortir le pu qu'il y a à l'intérieur, alors c'est permis. Soit, d'abord, une petite introduction générale. Lorsque Adam Rishon, Hachem a pris la côte d'Adam Rishon pour en construire une femme, il y a marqué là-bas, Vaïven et Tatsela. Il a construit la côte. De là, on apprend que on transgresse l'interdit de bonnet, de construire à Shabbat, lorsqu'on construit un corps humain. Alors vous allez me dire, comment ça arrive qu'on construit un corps humain? Ouais, s'il y a quelqu'un qui peut dévisser, revisser un doigt, alors en théorie, transgresser l'interdit de Shabbat de visser un doigt. De bonnet, construit un corps. Or, c'est pas le cas, mais il y a quand même un cas de figure qui est. Faut pas croire, dans la Gemara, on en parle. On fait de se marier avec une bétoula, on va pas entrer dans les détails, c'est un peu hors sujet. En tout cas, il y a ici un cas de figure très concret. Il a une plaie avec du pu. C'est comme l'ouverture de plein de choses, des boîtes à Shabbat. Est-ce qu'il y a un interdit de bonnet lorsqu'on ouvre ou pas? Alors, le principe, il est simple. Tant que tu vas ouvrir pour faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y aura pas d'interdit, il y aura même des permissions, comme ça va être le cas ici, où il y a marqué pas tout, en réalité c'est même permis. Soit, par exemple, ton but, c'est pas du tout de faire une ouverture à la plaie, mais c'est uniquement de faire sortir le puc à l'intérieur, parce que c'est en train de faire c'est en train d'être tout faire pourrir à l'intérieur, enfin, absolument ça s'infecte davantage, donc tu veux le faire sortir. Alors là, dans ce cas-là, tu as le droit de le faire. C'est pas tout, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Et même à cause de la douleur, Mishum Tsahara, c'est rapporté dans le Barthénois, à cause du Tsahar, ou Mishum Tsahara Logazur, l'avait pas tout ou moutar. C'est permis complètement de le faire même. Parce que c'est pour faire sortir le puc à l'intérieur. Par contre, si tu as un intérêt à faire une belle ouverture, c'est-à-dire à une ouverture de manière à ce que ça va pouvoir, la Gemara, donc tu vois, elle explique, faire entrer et sortir de l'air à l'intérieur. C'est-à-dire fabriquer, faire maintenant de manière à ce que ça va bien s'aérer, de manière à ce que ça va pouvoir mieux sécher. C'est plus un intérêt que pour faire sortir ce qu'il y a dedans, mais c'est plutôt faire une belle ouverture de manière à ce que ça va pouvoir reprendre une forme normale, ne pas faire de cicatrices et tout ça. Donc là, tu t'investis à bien former ton corps. Alors là, il y a un interdit de bonnet pendant Shabbat et il y a un chiouv, il y a un interdit. Deuxième cas de figure, ça va apporter dans le Barthénois pour ceux qui veulent plus de précision.
Deuxième cas de figure. Ve'ala tzad nachash be'shabbat. Celui qui est tzad, qui capture un serpent pendant Shabbat. Il va attraper un serpent. Alors, im mit'asek shelo ishechenu patur. Si il est mit'asek, il est en train de s'occuper uniquement pour qu'il ne le morde pas, alors il sera patur, ce sera même permis même. Par contre, si c'est ve'im lirfua, normal, picor nefesh, mais même sans rentrer dans ça. Ve'im lirfua, par contre, si c'est pour... Si c'est pour l'utiliser pour s'en guérir, il a besoin d'un serpent. Peu importe quelle utilisation il va faire, il veut collectionner des serpents. Il les utilise parce que de là, il réussit à extraire un venin qu'il va l'utiliser. Pour... Peu importe. En tout cas, c'est une fois, c'est parce qu'il a envie de le capturer. Alors il y a là, chayav, il sera chayav. Soit, d'abord, il y a un interdit de tzad pendant Shabbat. Capturer un être vivant. Ça peut être très fréquent. Je sais pas, moi, les enfants, ils aiment bien attraper les coccinelles en ce moment. Alors, si pendant Shabbat, ils vont voir une coccinelle, ils vont prendre un verre et uniquement mettre le verre comme ça, retourner dessus pour bloquer la coccinelle, eh bien, il y a en cela un interdit de la Torah, de tzad, de capturer un être vivant. Idem. Alors, il y a maintenant une permission. Logazroa, banane, valet, peton, mota. Maintenant, lorsqu'on se sent en danger, par rapport au serpent, alors il est vrai que je peux m'enfuir et laisser le serpent tout seul. Mais malgré tout, Rami nous dit, si tu préfères être plus tranquille et lui mettre un ustensile dessus et le bloquer comme ça il ne va plus pouvoir ressortir, tu vas prendre une bassine, je sais pas moi, une casserole, le retourner dessus et le laisser comme ça jusqu'à la fin de Shabbat, et bien là, tu transgresses plus l'interdit de Tzad de la Torah. Pour quelle raison tu transgresses plus l'interdit de Tzad? Parce que le but de Tzad, c'est de capturer parce que tu veux la chose, mais là, tu ne captures pas parce que tu veux la chose. De ton côté... Toi, tu as juste envie qu'elle n'aille pas là-bas, mais tu ne veux pas qu'elle reste à l'intérieur. Ton intention n'est pas de la fixer ici pour pouvoir l'attraper elle-même. C'est ce qu'on appelle Melacha She'eina Tzricha Legufa. Tu transgresses une action créative à Shabbat. She'eina Tzricha Legufa. Chaque action de Shabbat, chaque interdit de Shabbat, travail type de Shabbat, a un tachlit, un objectif, une définition. Et dès que tu vas faire cette chose-là, mais pour un autre intérêt, alors tu vas tomber dans ce qu'on appelle une melacha she'eina tzricha legufa. Tu vas faire une melacha que tu ne la veux pas pour son but en elle-même, mais pour faire autre chose, pour obtenir un autre, pour un autre objectif. D'accord ? Alors dans ce cas-là, selon le cas, il y aura plus d'interdit de la Torah, mais peut-être un interdit de Rabbanan. Et là, en l'occurrence, pour le serpent, Rami m'ont permis. Donc concrètement, je récapitule succinctement, capturer, c'est attraper un animal parce que je veux le prendre pour moi. Si tu captures un animal, mais parce que tu ne le veux pas pour toi, au contraire, tu veux juste qu'il te laisse tranquille, qu'il arrête de te rôder autour de toi, alors dans ce cas-là, il n'y a plus d'interdit de Tzad. On a fini avec le deuxième cas, et alors là, on attaque. Bezrat Hashem, il chotoum avetara avec un troisième cas de figure. Vel lefasin ironiot. Je ne sais même pas traduire, c'est quoi un lefasin ironiot. Je traduirais peut-être une boule, un ballon d'argile cuit, ironiot, qu'on fabrique dans les villes. Allez, je vous dis tout de suite de quoi on parle. Lorsqu'on voulait fabriquer des ustensiles en argile, alors il y avait une certaine manière, un certain procédé qui consistait à. L'argile, c'est on prend de la terre, d'accord, et qu'on va ensuite former, modeler, et après on va la mettre au four et ça va cuire. Il y avait là-bas, lorsque je voulais faire des sortes de bols, par exemple, en argile, alors au lieu de fabriquer deux bols, on fabriquait une boule, on mettait un signe ou la prédécoupait, par exemple, et une fois qu'elle était bien formée, on la faisait cuire telle qu'elle au four, une fois qu'on la sortait du four, on la coupait en deux, et on avait deux bols ronds. D'accord ? Ça, c'est les fascines ironiotes. Ironiotes, c'est comme ironiotes avec un aïn. Ça a été écrit avec un aleph. En tout cas, c'est le même principe. Ça veut dire que ça vient des villes. Alors, la Mishnah, on va s'intéresser maintenant à savoir est-ce qu'il y a une touma et tahara dedans ou pas. Alors, la Mishnah m'enseigne comme ça. Shem teorot be'ohel amet. Ces mêmes boules, elles sont pures si elles étaient dans un ohel amet, sous un toit où se trouvait un mort, tandis qu'elles sont utmeot be'masa azav. Elles sont impures si le Zav les déplace. Et là, ça demande de faire deux petites introductions, trois même, avec. Tout d'abord, expliquer c'est quoi la Touma de Elamet, on en a déjà parlé. Le fait d'être sous un même toit avec un mort fait que on devient impur. C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Rukat,
qu'on devient impur lorsqu'on rentre dans un OL, admettons. On avait parlé de l'interdit pour le Kohanim d'entrer à l'hôpital, par exemple, parce qu'ils sont sous la tente où se trouvent, ils sont sous un toit où se trouvent des morts, parce que dans les hôpitaux, il y a des morts. D'accord ? Ça, c'est l'interdit de l'Olamet. Maintenant, une autre sorte de Touma qu'il y a, c'est le Zav. Le Zav, c'est une sorte d'impureté qui sort de son corps, particulière, ça sent pas... D'accord, c'est une sorte d'impureté, on ne sait plus exactement comment est-ce qu'on, à quoi elle ressemble, en tout cas, c'est une... Par les voies urinales, il y a là-bas une impureté qui sort de là-bas, ce qu'on appelle Toumat HaZav. Alors le Zav, il a le même statut que la Nida, en fait, comme la femme qui menstruait, et ils sont metamim bemassa. En déplaçant les choses, ils les rendent impures. Par exemple, supposons que sur une table, il y a une pomme, et ben, si j'ai comme impureté d'être un Baal Keri, par exemple, si je déplace la table, la pomme ne devient pas impure. Tandis que si je touche la pomme, bien sûr, je la rends impure. Mais pour le Zav spécialement, lorsque le Zav déplace les choses, le simple fait que les choses bougent à cause du Zav fait qu'il les rend impures. C'est le Massa Azav. Le Massa, ça veut dire qu'il porte. Ce qu'il porte, le Zav. Ce que le Zav déplace, porte, alors il le rend impur. D'accord ? Ça, c'est le Toumat Massa Azav. Ça, c'était d'abord les deux mots d'introduction qu'on va utiliser dans le Mishnah. À présent, on va parler de petites notions. Tout d'abord, le kli cheres, l'ustensile en argile. On l'a déjà évoqué ça dans les chaînes précédentes. Il ne devient pas impur si je le touche sur la face externe. Il faut nécessairement, lorsque c'est un récipient, alors pour qu'il devienne impur, il faut que je touche à l'intérieur du récipient. Ok, lorsque je vais le toucher à l'intérieur du récipient, il va devenir impur. Mais si je le touche à l'extérieur, il va rester pur. Mieux que ça, même le simple fait d'entrer dans l'air, dans l'espace des parois par où on rentre, même si je touche pas concrètement l'ustensile, malgré tout le simple fait d'être à l'intérieur des parois on sait qu'il devient pur, mais nécessairement toujours par l'intérieur de l'ustensile. C'est d'ailleurs là où ça on va en avoir besoin dans notre Mishnah, étant donné qu'on va parler d'une boule en argile qui a certes un espace à l'intérieur mais qu'on peut pas l'atteindre, cet espace là c'est pour ça que ça va entrer en ligne de compte. Mais tout d'abord, une dernière petite introduction aussi, un ustensile ne devient tamé qu'à partir du moment où on a fini sa fabrication. Si on n'a pas encore fini sa fabrication, il n'est pas encore usagé, on ne peut pas encore l'utiliser. Ouais, c'est pas. On a l'habitude, même quelque chose de simple, on a l'habitude de polir un ustensile par exemple, de le lisser. Alors, dans ce cas-là, tant que je l'ai fait, il n'a pas encore été poli, même si concrètement je peux l'utiliser pour boire, mais puisque ce n'est pas encore l'usage de décider de l'utiliser, alors on le considère que c'est un ustensile qui n'est pas encore fini et il ne sera pas impur même s'il est. En contact même avec un mort, parce qu'il n'y a pas un ustensile d'abord pour devenir tamé, il faut être un ustensile, et pas quelque chose qui est en vue de devenir un ustensile. D'accord ? On a présenté tous les éléments pour revenir sur notre Mishnah. Tout d'abord, on est en train de parler de cette fameuse boule d'argile, qui est certes vide à l'intérieur, sur le point d'être coupée en deux pour fabriquer deux bols, mais pour le moment, on ne l'a pas encore fait. Alors, il y a tout d'abord, il ne peut pas y avoir dans un tel ustensile de Toumat Met. Pourquoi ? Même s'ils vont être dans une pièce où se trouve un mort, il n'y a aucun moyen de le rendre impur, puisque le seul moyen de le rendre impur, c'est de le toucher par l'espace, à l'intérieur des parois, du côté où il contient. Or, on ne peut pas atteindre cet endroit-là, donc il n'y a rien qui peut entrer pour toucher ces parois. Et bien, ça s'appelle qu'on le touche constamment de l'extérieur, et il ne sera pas impur. Donc il sera pur. C'est ce que la Mishnah commence à nous dire. « Ve'alelefassin ironiyot » Les fameuses boules d'argile. Shehem tehorot be'oelamet. Qu'elles sont pures be'oelamet. Elles ne s'impurifient pas lorsque elles se trouvent sous la même tente qu'un mort. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas atteindre son avir klicheres, l'air, l'espace du klicheres, de l'ustensile en argile. Mais par contre, utmeot be'massa azav. Cependant, si le zav va les déplacer, il va les rendre impurs. C'est une halakha très particulière, c'est pas rapporté ici par le Mefarshim, mais il me semble que j'avais vu dans ma Sechet Nida quelque chose, un limou très particulier, spécialement le Zav, lorsqu'il déplace les choses, il les rend impurs parce que lui, on considère que lorsqu'il les déplace, il les touche à l'intérieur. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a écrit ici, Utmeot Bemassa Azav. Elles sont impures si le Zav les déplace. D'accord ? Même si on ne peut pas atteindre leur intérieur, le Zav, lorsqu'il déplace, eh ben, je considère qu'il les touche à l'intérieur. C'est une halakha spéciale, c'est déduit de Psukim dans Nida. Masechet Nida dans la Gemara. D'accord ? On a fini pour le moment le premier avis de la Mishnah. Et c'est ce qu'il dit le Bartenura, on n'a qu'à le dire ensemble. Utmeot bemassa azav,
deviennent impures si le Zav les déplace. Betumat Heset, lorsqu'il les déplace, il est Messi Heset, c'est que le Zav déplace. Shem Nitaltelu ou Nitnaneu Mimasa Zav, si elles ont été déplacées ou même uniquement bougées par le Zav, qui est donc une personne impure, Metet Mein Afalpi She'en Laem Avir, bien qu'on ne peut pas atteindre leur espace, elles sont impures. D'accord ? Maintenant, Rabbi Elazar Bar Tzadok Ben Tzadok Omer. Rabbi Elazar Bar Tzadok vient, il discute, il dit non, même dans le Masa Azav, elles ne vont pas être impures, mais pour quelle raison ? Pas pour ce que vous pensez, que l'ustensile, pour le moment, on ne peut pas atteindre son espace, mais pour une autre raison. Av Be Masa Azav Teorot, même lorsque le Zav va les déplacer, l'ustensile en argile là, qui est complètement fermé hermétique pour le moment, il va rester pur, mais pour quelle raison ? Mi Penei Shelo Nigmera Melartan. Car leur travail n'a pas été terminé. Soit, on avait expliqué que, la dernière introduction qu'on avait dit, c'est que l'ustensile peut devenir impur à partir du moment où il est prêt à l'utilisation. Donc, s'il manquait même de le polir extérieurement, par exemple, alors l'ustensile n'est pas encore prêt à l'utilisation, on ne peut pas, il ne va pas recevoir d'impureté. Là, on est en train de parler de cette boule-là. On ne l'utilise pas telle qu'elle. Une fois qu'on l'a fait sortir du four, il faut la couper, ça s'appelle que pour le moment, tant qu'elle n'a pas été coupée, l'onigmera menarto, l'ustensile n'a pas encore été terminé, il est inapte à recevoir la touma. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un problème qu'on ne peut pas atteindre l'intérieur de l'ustensile pour le toucher, ce n'est pas le problème, même s'il y avait un trou à l'intérieur, même ce serait un trou plus haut, et bien malgré tout, il ne recevrait pas de touma. Pour quelle raison ? Parce que pour le moment, il n'est pas encore utilisable. Il lui manque le gmar melacha de terminer la création de l'ustensile, la fabrication de l'ustensile. Et pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Tanakama, lui, n'est pas d'accord et la halakha l'établit comme Tanakama. Pour quelle raison ? C'est le Tiferet Israël qui nous l'explique cette fois-ci. Parce qu'il considère que... Qu'est-ce que je considère comme un gmar melacha, la fin de la fabrication ? Tout travail qui demande un travail artisanal. Quelque chose de professionnel. Or, couper cette boule en deux pour en fabriquer deux bols, apparemment c'était un jeu d'enfant, ou avec n'importe quel petit couteau on le faisait passer, et ça s'ouvrait, et c'était fini. C'était pas un travail artisanal. De ce fait, même lorsque cette boule, lorsque les deux bols en fait, ils sont reliés pour former pour le moment une seule boule, je considère déjà qu'il y a deux bols, et de ce fait, revient la règle, que le Zav parvient à rendre impur même s'il ne passe pas par le Avir Klicheres, par l'intérieur de l'ustensile. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.